Bonjour les bons élèves, comment ça va? S'il vous plaît, ouvrez votre livre, passe-passe à la page 11 et votre livret à la page 22. Faites attention et écoutez bien cet audio. Activité 3A, page 11. Écoute et choisis la bonne image. Salut tout le monde! Je m'appelle Milo. J'ai 8 ans. J'ai deux sœurs. Une grande sœur, Lison, et une petite sœur, Clara. Elle est très petite. Je n'ai pas de frère. Et j'ai un chat. Il s'appelle Mitzi. Réponds aux questions suivantes. Milo, a combien de sœurs? Milo a deux sœurs. B. Comment s'appelle la grande sœur de Milo? La grande sœur de Milo s'appelle Lison. C. Comment s'appelle la petite sœur de Milo? La petite sœur de Milo s'appelle Clara. D. Est-ce que Milo a un frère? Non, Milo n'a pas de frère. E. Est-ce que Milo aime les chats? Oui, Milo aime le chat. F. Comment s'appelle le chat de Milo? Le chat de Milo s'appelle Mitsu. Deux. Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 8 ans. J'ai un petit frère, il s'appelle Polo. Et je n'ai pas de sœur. J'ai un chien, il s'appelle Médor. Il est très drôle. Ah, est-ce que Lion a un chien? Comment il s'appelle? Oui, Lion a un chien. Il s'appelle Médor. B. Quel âge a Lion? Lion a 8 ans. C. Qui est Polo? Polo est le frère de Lion. D. Est-ce que Lion a une sœur? Non, Lion n'a pas de sœur. Comment est Médor, le chien de Lion? Le chien de Lion est très drôle. Faites attention, mes petits, et écoutez bien l'audio suivant. Activité 4, page 11. Écoute et montre la famille d'Eliott, le petit sorcier. 1. Mon père est très fort. 2. Ma mère est petite et sympa. 3. J'ai une grand-mère, elle s'appelle Ozita. Elle est petite et drôle. Maintenant, mes petits, ouvrez votre livre, passe à la page 11. Activité 5. Cite le contenu de chaque cartable, objet, nombre et couleur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cartable?
Dans ce cartable, il y a des billes, un stylo rouge, une trousse, deux stylos bleus, deux cahiers orange, un livre. Cartable 2. Dans le cartable, il y a un stylo vert, un crayon, une gomme, un stylo bleu, une trousse jaune. Cartable 3. Dans le cartable, il y a un stylo rouge, un cahier rouge, un livre, une corde à sauter, une trousse. Maintenant, faites attention et écoute l'audio suivant. Activité 5, page 11. C'est la rentrée. Écoute et trouve le cartable de Louise. Parle avec une camarade. Demain, c'est la rentrée. Il y a école. Super! Je suis contente. Il y a tous mes amis. Dans mon cartable, il y a un stylo rouge, une trousse multicolore, un livre, un cahier rouge, une corde à sauter. Merci, mes petits, pour votre attention. Au revoir et à bientôt avec une nouvelle leçon de français.